Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Do Not Feed the Monkeys. Je commence mon troisième let's play de ce jeu, donc si vous voulez voir les deux précédents let's play, n'hésitez pas à aller les voir. Le premier let's play, 4 fins différentes, même si elles sont pas des plus joyeuses. Le deuxième let's play, c'était une fin, on va dire, plutôt pas mal, puisque j'ai réussi à atteindre l'objectif du jeu, à savoir les 25 caméras. Après, comme j'interagis avec les monkeys, je pense que c'est pas la vraie fin du jeu. Donc ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être ça dans un quatrième let's play. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est commencer un nouveau let's play pour découvrir de nouvelles caméras et surtout essayer de clore le cache Tatler si je l'ai. Voilà. Do Not Feed the Monkeys est un jeu qui coûte 12€ sur Steam, mais aujourd'hui il y a une promo via chrono.gg avec qui je suis en partenariat. Il ne coûtera que 7€. Donc si vous l'achetez via ce site là, il ne vous coûtera que 7€. Mais uniquement aujourd'hui, samedi 26 janvier. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle partie. Et puis le voisin, oh, il est content, il chante. Hein. J'espère que. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est en train de se charger, je t'entends me dire qu'est-ce qui se bug. Et puis. Bah voilà, la dernière fois on avait vu qu'il y avait plein de nouvelles caméras mais que je ne pouvais pas découvrir parce que il fallait le double caméra. Mais comme on était limité à 25 caméras, forcément j'avais déjà atteint le max. Donc j'ai hâte de voir ce que le jeu a me proposé. Ok, c'est parti pour découvrir ces nouvelles caméras. Voyons voir. Ah, oh, ouh. Alors ça, je ne connais pas. C'est carrément nouveau. J'ai jamais eu. Ah, c'est le mec dans l'ascenseur. Alors la dernière fois, dans ma dernière partie, il était mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour le sauver cette fois-ci. La dernière fois, vous savez, j'ai sauvé Melissa Rush. Bon, alors ça m'a d'être un phare qui ne sert à rien. Alors je pense que c'est peut-être une caméra qui sert à rien aussi. Du coup, c'est ça. Ah bah voilà. J'ai eu le temps de cliquer, bah pile poil. Du coup, on fait ça. Ah, updating browser. On va essayer d'aller vite. Hein. Ok. Oui, non, mais je sais jouer en fait. Pardon. Voilà. Exhibition Central Museum. 10 Vinyl Game Priceless. Donc, ça, c'est Central Museum. Ok. Donc, Kevin Elgin, si je le cherche, j'ai son numéro. Après, je peux l'appeler, mais j'avais déjà close le case la dernière fois. Mais il faut pas que j'interagisse normalement. Mais je... Pardon. Mais j'avais dit que dans cette partie, j'interagirais pour voir ce que ça donne. Donc lui, il faut attendre qu'il se réveille. Donc en fait, apparemment, c'est ces deux caméras ou ça serait une caméra qui ne sert à rien, ça. Oh, c'est quoi, c'est un truc sataniste ou non, c'est peut-être juste une église toute simple en fait. Oh là là, mais par contre, non, c'est possédé. C'est possédé. Ça me dit rien, franchement. J'ai déjà eu cette caméra? Non, c'est bizarre. Bon, bah si j'allais bosser un petit peu tout de suite, non. Ouais, je sais pas. Est-ce que je l'inter... Est-ce que je lui passerai pas un coup de fil tout de suite? Comme ça, c'est fait. Hello, c'est Kevin Elwin, quel jean, comment je peux vous aider? Bonjour monsieur, je voulais vous demander un moment s'il vous plaît. Ah, touche pas ça, fais pas si, je suis très occupé. Prenez un rendez-vous avec ma secrétaire. Ok, je raccroche. Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je l'appelle à un autre moment. Très bien. Bah c'est tout ce que je peux faire. Et alors attendez, on va peut-être faire des recherches. Elevator doll. Doll. Ah! La fameuse poupée! J'avais... C'est Annabelle. Trop drôle. Elevator, nothing about elevators. Bon, eh bien écoutez, je vais aller bosser 4 heures. Je vais faire un truc qui bosse 4 heures, comme ça je reviens à 15 heures. Je ne peux pas bosser. Voilà. C'est le mec qui m'appelle. Ok, il va me faire la le blabla habituel. Je vous l'épargne. I have to go. Allez, goodbye, hein. Je peux pas bosser là en vrai? À partir de 21h, à partir de midi, à bientôt. Et voilà, alors bah pff, dommage en fait parce que là je peux rien faire du coup, il se passe rien. Ça serait bien de te réveiller mon petit gars. Allez, réveille-toi. Ah, oh, j'avais pas vu Book. Il y a pas genre il écrit au mur et tout. Ah ça y est, ah non. Eh bien. Bah Book. Je ne peux rien faire. D'accord. Ah, la fameuse secte. Bon, bah, lisons un peu le journal. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Billy Bob Whelon, donc c'est le créateur de la secte, a priori des témoins de Whelon, non? C'est pas ça? La secte, oui, c'est ça. Donc, ok. Ah, il est décédé. Ok. Ah, c'est-à-dire qu'il aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. 4% des millionnaires, gna gna gna. Bon, écoutez, rien d'intéressant. Mais moi, je veux bosser. Ah, ça y est! Eh ben écoutez, on va aller dormir, on va aller travailler. Comme ça, on va pouvoir tout de suite acheter des caméras. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, vous croyez qu'il y a une fin si on paye jamais le loyer? Ah, faudrait que j'essaye en fait.
Faudrait que j'essaye une fin où je paye jamais le loyer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer tout de suite une nouvelle caméra. Ah! Allô? Ouais, c'est ça. Donc, en gros, elle me dit, je reviens dans 2 jours. Ça pourrait être une idée, en fait, de ne pas payer le loyer plusieurs fois d'affilée. Ah ouais, mais je fais ça dans une nouvelle partie pour essayer d'explorer et tout. Bon, là, j'ai de l'argent. Je paye tout de suite. Il est quelle heure? Il s'est pas réveillé, le petit gars? Bon, c'est pas grave. Ben, on va aller bosser tout de suite. Comme ça, c'est fait. Pour l'instant, je suis en pleine santé. Ben, on va bosser 8 heures et puis voilà. Hein. Comme ça, je m'arrange pour avoir de la nourriture. Pardon, de l'argent pour plus tard. Il doit être quelle heure? Il doit être 7 heures du matin, non? Je pense. Ok. Bon, ben, ça y est, j'ai de quoi. Ah! Ça y est, il parle! Passionate case. Donc là, il est en train de lire le livre. J'essaie de prendre des mots-clés pour essayer de trouver de quel livre il parle. Ah, ok, assez lu pour aujourd'hui. Zut, j'aurais pas dû. Ah bon? Ok, il va lire. Ah, il va écrire son autobiographie. Ah oui, d'accord. En fait, vous vous rappelez, dans la dernière partie, enfin pas cette dernière, c'était celle d'avant, il est décédé parce qu'en fait, j'ai pas réussi à communiquer avec sa femme. Elle croyait pas qu'en fait que je le connaissais, etc. Elle dit oui, de toute façon, il suffit de regarder sur internet et on sait qu'il était fan des machins, des bidules et tout. Et en fait, bah, je ne l'ai pas assez observé, j'ai pas fait d'assez bonnes recherches pour trouver quelles étaient vraiment des choses sur lui. Donc j'espère le sauver cette fois-ci, un peu comme Melissa Rush, quoi. Et aussi un peu, vous savez, comme. Oh, vas-y, lève-toi! Alors, un peu comme. Cette personne qui était dans une prison, vous savez, et qui est morte, et que j'ai rien pu faire pour elle, et je sais même pas si c'est possible de la sauver, donc voilà quoi. Donc là, je vais vraiment tout surveiller, tous les trucs jaunes qui passent. Non, mais là, y a rien de jaune, on est d'accord. Vas-y, dis des mots jaunes, s'il te plaît. Ouais, seul Dieu sait que je n'aurais jamais dû signer ce que je n'aurais jamais signé ce contrat. Bla, 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 bla. Bah, dis donc, si toute ton autobiographie tient là-dessus, c'est foutu quoi. Et il va se coucher tout de suite? Bon, il est décalé après en même temps. Bah alors, tu veux pas dire d'autre chose? Allô? Bon, bah les. Ok. Ah, well, friend, it's time to go to sleep. Ça y est, il va déjà dormir. Mais pourquoi tu dors assis? Bah, allez, bonne nuit, ou bonjour, ou peu importe. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire des recherches sur lui avec ce que j'ai déjà. Ah! Donc il faut rêver à propos d'un triple à the buzzer. Et n'oublie pas que les corsaires ont toujours besoin de notre aide pour gagner. Voilà, c'était ça. J'avais dit à sa femme, ouais, moi je suis fan des corsaires. Et, enfin, il est fan des corsaires. Elle fait oui, mais ça, tout le monde le sait. Donc c'est pas une preuve. Ah mon Dieu, cette toux! Ah mon Dieu, le pauvre en plus. C'est ça. C'était le jour du départ à la retraite qu'il a été enfermé là-dedans et tout. Oh là là. Là, je pense que j'ai plein de mots. Je vais pouvoir commencer à faire des recherches sur lui. Lui, il est janitor en fait. Donc ça c'est des lingettes et du détergent. Clean wipes. Ah là 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 là. Allez. Je veux être sûr de tout avoir. Il tousse, il tousse. Bonne nuit ou bonjour ou peu importe. Et merci de me tenir compagnie. Ça y est, il dort. Oh pauvre. Allez, très bien. Ok, je sais comment le jeu marche. A book about passionate kiss. Nope. Elevator tallest building, peut-être. Ah, non. Alors, on va voir les corsaires, c'est qui? C'est du basket. Basketball corsaire. Ah non, c'était la mascotte des corsaires. C'était Foggy Island, Mr. Cannonball. Ah, Foggy Island tallest building. C'était la Treasure Tower. Ensuite, The Giant. Non, c'est pas ça. The Giant About Treasure Tower. Non, Treasure Tower. Qu'est-ce qu'on peut trouver dessus? Non. Ah oui, c'était ça. Janitor of Treasure Tower. Donc, on a Jason Miles, 62 ans. Ok, bon, il faudrait peut-être que je dorme un peu. Donc, les 1-1. Jason Miles. Du coup, je me souviens. Ok. Il faudrait que je trouve en fait des informations sur son bouquin. Donc, il faudrait que je le surveille quand il se. C'est quoi ce bruit? Attends, j'ai un bruit bizarre chez les voisins. C'est trop bizarre. Voilà, il faudrait que je trouve le bouquin qu'il lit en fait. Parce que là, a priori, tout le monde sait des choses sur lui. Donc si j'appelle sa femme, elle va dire oui, mais d'accord.
Quand je trouverai le bouquin qu'il lit et dont il est fan, sa femme me dira, bah ouais, ok, je vous crois, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va manger, on va dormir 4 heures. J'ai dit 4 heures et je mets 6 heures, tout va bien. Comme ça, on va voir mes deux nouvelles caméras et bon, on perd pas de temps, on perd pas de temps. Donc là, il me faut encore 3 caméras. Donc, ok, Shark TV, je peux envoyer mes vidéos. Ah, ça, je la connais. C'est la perverse qui prend des photos de la star et en fait on s'est rendu compte que la perverse en fait bah, c'est la star qui lui a demandé de le faire. Mais ça c'est quoi? Ah oh, super, la caméra qui ne sert à rien. Bon, eh bien, ce qu'on va faire, on va appeler Kevin Hogan. Ça c'est basement, ah check. Ça c'est la casquette. Ah oui, donc c'était la chauffeuse de limousine de Ashley, je sais plus comment. Je réfléchis. Bon, bah en fait, visiblement, cette caméra. Oh! Il y a un prêtre en train de manger un sandwich sur l'autel. Mais ça ne sert à rien. Parce que j'irai pas bosser un petit peu tout de suite alors. 8 heures, c'est beaucoup. Cela dit, ouais, on peut essayer. Non, mais c'est couché vers 23 heures. Non. 4 heures, c'est pas beaucoup. Allez, on y va tout de suite. En espérant qu'en revenant, notre ami dans l'ascenseur sera en train de parler. De toute façon, j'ai besoin d'argent. Parce que j'ai besoin de nourriture. Oui! Ah, les témoins de Willan! Donc, eux, ils me donnent la plante. J'ai jamais réussi à m'en occuper. Je ne sais pas comment on fait pour s'en occuper, en fait. Ok, ça dégage. Ok, ils me la donnent, blablabla. Voilà, ils m'ont quand même donné. Donc, lui, il dort toujours. Zut, on a loupé ça, ça ne sert à rien. Ah bah c'était l'inutilité totale hein, cette journée. Eh ben on va aller bosser. Hein. On va bosser, on va gagner le plus d'argent possible pour gagner de la, pour avoir un peu d'avance. Ensuite je fais des courses. Yo man. Ah ça y est. Ah j'espère que tu as bien dormi. J'ai ok j'ai faim. Oh là là, cette toux est en train de devenir de pire en pire. Tous. Vas-y lis un peu le bouquin s'il te plaît. Oh là là, et ses mémoires, mon dieu. Ah, mais mon dieu, mais il est déjà 23h25 et tout. Mais il dort quasiment le cadran total. J'espère juste qu'il va pas se lever tout de suite. Ah oui, il dit qu'il a de plus en plus faim et que, bah, du coup, il n'a plus d'eau. Donc il va mourir déshydraté. Mais tu sais, tu ne devrais pas t'inquiéter à propos de ça. Donc. Broom, c'est le balai, je crois, non? C'est bizarre que personne dans cet immeuble ne l'entende. Allez, lis ton bouquin, s'il te plaît. Je deviens complètement fou à être confiné ici. Je deviendrai complètement fou. Yes, sir. Lis le bouquin, s'il te plaît. Allô? Allô? Ah, super, il va lire. Ah, trop cool. C'est ça, je vais lire un peu. Oh, qu'est-ce que j'adore ce genre de livre. Comme ça, je vais pouvoir appeler sa femme demain. Et comme ça, on va pouvoir le sauver. Ah, ne le dis à personne. J'ai toujours été embarrassé de lire des romans de ce genre et tout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, dis-moi des nouveaux mots que je ne connais pas. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah, la romance. Les amoureux. Ah, du coup, ça y est, j'ai débloqué une nouvelle Undying Love, l'amour immortel. Du coup, j'ai débloqué des nouveaux mots. Allez, dis-moi des nouveaux mots. Quoi, c'est tout? Allô? Monsieur, s'il te plaît, dis-moi plein de mots-clés, je veux te sauver. Allô? Tu m'as l'air très concentré. Allô? Il y a quelqu'un. Est-ce que j'achèterai? Allô, monsieur. Monsieur, il faut lire là. Monsieur. Bon, bah ils veulent que je fasse des recherches. Ah bah parfait. Alors, on va faire Undying Love, Lovers of Undying Love, Book, Romance, non, Book, Passionate Kiss. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, bah c'est un romance novel. Voilà. Non, alors. Ah, mais peut-être que je peux juste dire, en fait. Ah, quoi?
Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'ai... Non. Oh, j'ai cru qu'il y avait mes voisins qui étaient encore en train de faire des cochons. C'était au lit, mais c'est un bébé qui pleure. Bon, eh bien, il lit. Alors. Romance. Ah! Ok, j'ai assez lu pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va nous dire des nouveaux mots? Et ensuite, je pense que je pourrais aller me faire une petite course et m'acheter une nouvelle caméra. Voilà. Non. Je veux pas que des archéologues ouvrent un jour cet ascenseur et trouvent un mec anonyme avec une grosse étoile des corsaires. Donc il se lève et c'est pour ça qu'il va écrire ses mémoires. Gna gna gna. Donc il fallait qu'il bosse au Giant, mais ça juste ils l'ont appelé pour qu'il travaille au Giant. Mais je crois que j'avais déjà tout mis. J'ai dû abandonner ma grande passion, le basketball. Mais là il est trop tard pour appeler la petite famille. Romance novel. Bah, non mais en fait il y a peut-être rien d'autre à faire. Ah! Gleaming. Mais arrêtez les gens, il est 4 h du matin, vous faites trop de bruit. Blablabla. Il y a peut-être un nouveau truc qu'on peut ouvrir ici, mais alors je suis pas sûr à propos de... Non, Romance Novels. Alors attendez, on va chercher tous les mots ensemble. Romance Undying Love. Non. Romance Passionate Kiss. Lovers. Ah! Autumn Place, une grande... un super endroit pour les amoureux, mais il n'y a pas de mots. Donc j'avais fait... Ah! Allez, un nouveau jour. Tu ne penses pas qu'on devrait aller dodo? Oh là là, le pauvre. Ouais, quoi de neuf? Bon, peut-être qu'ils vont nous tirer de là demain. Ouais, bah demain j'appelle ta femme et je te sauve, hein, t'inquiète pas. Ça y est, tu dors? Ok, c'est pas grave. Donc ça, j'ai testé tous les mots. Donc on va faire book. Non. Book Passionate Kiss, non. Book Lovers, non. On va essayer Undying Love Passionate Kiss, non. Undying Love Lovers, non. Passionate Kiss Lovers, non. On a tout testé. Romance Novel Romance, non. Romance Novel Book, non. Romance Novel Undying Love, non. Romance Novel Passionate Kiss, non. Romance Novel Lovers, non. Par contre, si j'essaie de voir les autres mots, Science Fiction. Pardon. Pour voir ce que ça propose. Non, ça proposerait, on est d'accord. Hein. Et Western Novel, c'est carrément pas un roman de Western. Bon, et ben, demain, on appelle la famille et on le sauve en fait. C'est bon, tout le monde dort. Bonne nuit, monsieur. C'était sympa de te connaître. Chic, on va faire des petites courses. On va dépenser 78 en fruits. Voilà. Parce que les fruits, ça donne 2 de santé en fait. Ça coûte cher, mais au moins ça donne de la santé. Comme ça, au moins, je risque pas de mourir. J'hésite à faire pause et voilà. Parce que là, je commence vraiment à avoir faim. Voilà. Au moins, ça c'est bon. Je bois ça. Comme ça, j'ai plus faim. Je remange les fruits. Comme ça, je remonte ma barre. Et du coup, il est exactement 8 h 25 du matin. Et ça, on va changer de journée et je vous propose de d'appeler la. Ah oui, parce que surtout qu'on a toujours pas géré ça, quoi. Et d'appeler la mère, la femme du gars et de le sauver. Et puis en plus, je pense que je m'arrêterai. Et puis j'irai bosser un petit peu après pour gagner de l'argent. Bon, je vais vite hein, en fait, hein, mais c'est que comme je connais le gameplay, bah, j'essaie de vraiment de gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps et de gagner beaucoup de temps et d'argent justement pour pouvoir avancer très vite. Donc il me reste 2 caméras à acheter. Ok, le mec il a compl... Ah! Les Jeux Olympiques du bronzage sont mal terminés. Il y a eu un mort et 2 blessés. Le gagnant de la compétition, Peter Flood, il souffre de brûlures mineures. Ah! Alors ça aussi c'est pareil. Alors si c'est ce que je crois, c'est le mec qui se fait voler la nuit. Et... Ah! Ça y est, je peux enregistrer. Parfait. Ça, ok, on s'en fiche. Ah! Cage 2. Quel est le nom du building? Bon, ça je sais. C'est la Treasure Tower. Donc comme ça, je gagne des sous. Oui, ça je savais. Ça je savais. Et ça je savais.
Très bien. Allez, on appelle la famille. Bon sang, mais un autre appel! Pourquoi vous ne laissez pas ma famille tranquille, espèce de vautour? Pardon? Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Vous ne arrêtez pas de nous harceler depuis des semaines. Oh là là. Donc vous voulez tirer profit de la disparition de Marie, c'est pas vrai? Non, mais pas du tout. Ah, mais taisez-vous! Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'invente. J'en ai marre de ces mensonges et de ces fausses pistes. Oh, mais est-ce que serait-il possible que vous ne soyez pas un de ces vautours? Peut-être que je me suis trompé à propos de vous. Désolé, mais mes nerfs sont... Je suis à bout de nerfs de ces derniers temps. Qui êtes-vous, un ami de mon mari? Oui. J'en ai marre de ces charlatans qui nous appellent. Oh là là, si vous connaissez vraiment mon mari, dites-moi quelque chose à propos de lui que seul un vrai ami pourrait savoir. Ou alors je vais devoir raccrocher. Donc la dernière fois, j'avais mis Mr. Cannonball et Treasure Tower, elle m'avait dit, bah tout le monde le sait. Donc, romance novel. Mais moi, je lui dis, bah, ton mari aime les romans d'amour. Oh, mon Dieu! Jason a toujours été très embarrassé d'aimer ses bouquins. En fait, il les lit en cachette. Je crois que ça veut dire ça. Hein. Mon mari doit vraiment vous faire confiance pour vous l'avoir dit. Et s'il vous croit, qu'est-ce que vous voulez? Il est à la Treasure Tower. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de la Treasure Tower? The Giant, bah, c'est le plus grand building de Foggy Island. Cette ville de pirates et de corsaires. Et c'est là que Jason a travaillé pour les 30 dernières années et il a toujours été très, très fier de son travail. Mais il n'était pas... il faisait pas le ménage, quoi, pirates et corsaires, mais je pensais que c'était quelque chose du passé. Ah bon, il était fier, mais il était pas le truc. Bah si, alors, on n'a pas le droit d'être fier, d'être la personne qui fait le ménage et tout. Il a toujours été très consciencieux, avec une très bonne éthique. Et c'était le meilleur concierge de ce building. Voilà. Et il a fait ça pendant plus de 30 ans et le building a toujours étincelé tous les jours grâce à son mari. Mais c'est une... c'est une honte de savoir combien ils l'ont repayé. Bah ouais, mais comment je lui dis alors qu'il est enfermé là-bas? Pirates et corsaires, je crois que c'est quelque chose de passé. Je ne pense pas. Les pirates et les corsaires de la ville ont... Ah, ils ont longtemps échangé les batailles et les galons. Ah, j'ai pas eu le temps de finir. Bon, je suis désolé. Oublié. Pourquoi est-ce que vous s'embêterez de parler de ça s'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire après pour ça? Parlons de quelque chose d'autre. Bah, merci pour les infos. Je voulais vous parler de Jason Miles et de sa disparition. Oh, mon Jason. Mon pauvre Jason. Oh. Ah bon? Nous n'avons pas entendu parler de lui depuis que ces idiots ont fermé la Treasure Tower. Oh mon Dieu, où est-ce qu'il pourrait être maintenant? C'est important, je sais où Jason est. Je veux le sauver. Après, je ferai une partie où il faudra que je sauve personne. Ça va être très, 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 très compliqué de laisser ces gens mourir, hein, parce que vous savez, moi, comment je suis. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est enfermé dans un des ascenseurs de la Treasure Tower. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est impossible! Ils ont assuré que mon avocat, qu'ils avaient tout vérifié et tout. J'ai eu tellement de hoax et de faux espoirs. Je ne peux pas y croire une fois de plus. J'ai besoin de croire ce que vous me dites. Je place ma confiance en vous. Donc, s'il vous plaît, dites-moi comment est-ce que vous savez cela? Oh mon Dieu, je peux pas lui dire ça, quoi. Je vais lui dire ça. Bon, allez, je vais lui dire ça. Je suis membre d'un club secret et j'ai accès à des caméras de sécurité. Vous êtes un membre de... Oh, quoi? Mais c'est... Waouh. Ok, bon, j'apprécie votre honnêteté. Votre secret sera gardé avec moi. Après cette confession, je n'ai pas le temps de lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, mon Dieu. Ah, ça y est, j'ai réussi à le sauver. Je ne peux pas attendre... Je ne peux pas attendre... Enfin, je n'en peux plus attendre de serrer Jason dans mes bras. Je dois raccrocher maintenant. Je vais appeler notre avocat pour qu'il aille lire la suite du texte. Ah, moi, j'ai sauvé Jason. Ouais. Jason, tu vas sauver! Tu vas survivre! Oui, grâce à moi! Ok. Quel est le numéro de téléphone responsable de la personne qui a ici?
Bah c'est ça. Ok, ouais, j'avance super vite. Ah, bah voilà. Allô? Je suis... Ah, je suis l'avocat qui représente Jason Miles. Ok, j'ai pas le temps de... Attendez. Non, nude! Nude! Ah, j'ai une proposition. En sauvant... Non, des démos! Mais taisez-vous, purée! J'aurais jamais dû répondre. Ah, mon Dieu. Donc, j'ai une proposition pour vous. Je dis à Monsieur Miles que c'était une... Ah, je dis à Madame Miles que c'était une blague de votre part. Et vous êtes sûr que vous allez recevoir une très, 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 très grosse somme d'argent. Mes clients sont, prêts à vous offrir 300 dollars. Oh! Mon Dieu, mais l'avocat, c'est un... Mon Dieu, mais je... C'est dégueulasse! Non, je peux pas. Je ne peux pas accepter. Oubliez ça. Bon, bah très bien, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est dégueulasse. Bon, ben, félicitations. Vous avez passé le test. Ah, je voulais juste être sûr de savoir si vous disiez la vérité avant de notifier aux autorités que ce pauvre monsieur Miles est dans ce building. Ce que je vais faire maintenant. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai loupé tous les mots. J'ai loupé tous les appels. Bon, en tout cas, c'était correct. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Alors, attendez. Alors là, je suis dégoûté, quoi. C'est où, déjà? C'est ça? Vas-y, je peux t'appeler? Zut. Oh, bah, zut. Bah, je sais pas. Elle va revenir aujourd'hui, je crois, la vilaine Pabel, non? Je sais plus comment on fait ça. Non, dans un jour ou dans... 42 dollars. Ouais, allez, on y va. J'espère juste qu'elle va pas... Ah, j'espère juste qu'elle est pas venue en attendant. Bon, pire. Ah, bah si, elle est venue. Tant pis. Donc, elle va me dire, espèce de... Ouais, je suis venu pour mon truc. Où est-ce que t'étais? Je reviendrai dans l'après-midi pour que tu me donnes ce que tu me dois. Donc, écoutez, peut-être que... Ouais, c'est ça, je vous dis. Un jour, je ferai une partie hors caméra pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai assez d'argent pour m'acheter ma caméra supplémentaire. Bon, ça se passe plutôt bien, hein, je pense. J'ai même assez pour m'acheter une caméra supplémentaire encore. Comme ça, au moins, je change tout de suite de niveau. Est-ce que je peux filmer, là? Ah non, je peux pas. Ah, il faut que je l'achète. Non, je fais ça plus tard. Bon, je vais attendre que la landlady revienne. Et comme ça, après, vous vous rendez compte, en plus d'une demi-heure de jeu, du coup, j'aurai avancé jour 4. J'aurai bien, bien, bien avancé. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire comme recherche, ici? Caméra, photographes, photographes dans les attiques, c'est le grenier. Man, j'en sais rien. Photographe, cap. Là, je peux rien faire. J'ai loupé tous les mots, quoi. Je suis dégoûté. Bon, bah, on va attendre. Ah, bah la voilà! Ah, bah non, c'est pas elle du tout, c'est mon voisin. Alors après, il y avait un truc par rapport au fait que du coup, lui, il était sympa et tout. Voilà. Bon, bah alors qu'est-ce qu'il me veut? On va parler ensemble. Je sais pas si je vais t'en poser, si c'est bon. Ok, blablabla, vas-y, 36 dollars. Il vient venir tous les jours me taxer du fric, de toute façon, je l'aime pas du tout. Donc ça dégage. Ah, ça y est! Ça y est! Ah, enfin j'ai des mots, j'ai pas besoin d'attendre. Allez, dis-moi des mots. Ah. Bon, bah je vais gagner beaucoup d'argent. Tu es la meilleure, ma chérie. Allez, ah, Cotton Princess. Donc du coup, grâce à Cotton Princess, on va savoir que c'est Ashley. Ashley, je sais plus comment. Vas-y, dis d'autres mots. Ah, limousine, ça y est. Bah du coup, je crois que là, on a vraiment tous les mots importants. Vas-y, dis d'autres mots, s'il te plaît. Elle revient pas? Elle devait venir dans l'après-midi, en fait. Fortune, Naked... Florette. Je sais pas ce que ça veut dire. We need to floor it. Vous m'aviez... Il y a quelqu'un qui me l'avait dit dans les commentaires et je me souviens plus trop. Regardez, c'est en train de devenir de plus en plus sombre en fait. Ok, elle s'en va. Du coup, ça me permet de faire Cotton Princess. De savoir que c'est Leading Lady. Hop, 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 hop. Donc c'est Actress of Cotton Princess. C'est Ashley Applegate, Android Association d'agents. Du coup, normalement, après, ce que je peux faire, c'est contacter l'agent Andrew Haynes. Ok, je peux trouver Limousine of Ashley Applegate. Non, c'est Limousine.
Naked Ashley. Non, Photographs of Ashley Applegate. Non, qu'est-ce que... Je me rappelle plus que comment on faisait. Il faudrait que je fasse limousine. Comment je peux faire pour... Il manque... En fait, c'est ça, je crois qu'il me manque des mots pour pouvoir... Là, il n'y a plus rien, de toute façon, je peux plus rien faire. En fait, il me manque des mots pour pouvoir... Elle n'est pas revenue, en fait. Elle a peut-être dit tomorrow, en fait. Pour pouvoir savoir que c'est la... Le chauffeur, en fait. Limousine, non. Je me rappelle plus ce que c'était. Florid, ça veut dire quoi? Ah, mon Dieu, il y a 60% des conducteurs qui sont incapables d'identifier la pédale de frein. C'est trop drôle. Bon, eh bien, leading lady... Bah, je ne sais pas. Et alors là, c'est bizarre parce que du coup, faire ça, on a... Ah, je suis retombé sur le site X. C'est lesboobs.com. Donc, c'est Naked Ashley. Non, c'est pas ça. Ah bon? Ah, super. Trop bien. Oh, ne te couvre pas maintenant. Ne te couvre pas maintenant. Et après, on va se rendre compte que je crois qu'elle est... C'est ça, je crois qu'elle était consentante et qu'elle faisait juste ça pour attiser le buzz pour elle et tout. Je ne peux plus respirer de te voir comme ça. Les dollars. Vas-y, dis des mots en rapport avec la limousine. Encore une photo, encore une photo. Encore une photo, s'il te plaît. Allez. Oh, come on, Cotton Princess. Il est le temps de tout nous montrer, oui. Allez, allez, dis un autre mot. Jaune. Tes fans vont devenir tellement fous avec cette dernière photo. Ah non. Pff, zut. Bon bah là je crois qu'on a rien du tout par rapport à ça. Je sais plus. Cap. Bah j'en sais rien. Bah tant pis. Écoutez, là il est temps pour moi de travailler un petit peu. Voilà. Ensuite je vais faire 2-3 courses. Je vais dodo. Ce sera la fin de cette vidéo. Ma foi fort longue, mais ma foi fort intéressante. On aura vraiment énormément... avancer, vous voyez, il est temps que je me repose. Je vais juste faire 2-3 courses. Ah, les yaourts coûtent beaucoup moins cher en plus, donc moi ça me va. J'ai juste besoin de 42$, comme ça au moins c'est parfait. Ah, non, ok. Bon, bah, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Qui c'est qui m'appelle? Ah bon? Ah! Il faudrait que... C'est ça, il faut vous rappeler, c'est quand il avait tué le mec et tout, là. Ah, il faudrait que j'ai le numéro. Vite, NNH. Liquor Store. Non, c'était quoi? Mince. NNH. C'était quoi, le truc? Zut! C'est pile au moment où il est là. Ah, button. Ah. Mon Dieu. Vite. Comment je peux faire Sleep Masked Man? J'en sais rien. Bon, bah tant pis, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Tant pis, il faudrait que je... Je lise des trucs de... Des gens et tout. Ah, zut! Et donc, la dernière fois, en fait, j'ai appelé. Parce que moi, je voulais juste parler au gars, en fait. Et il y a quelqu'un qui est venu. Il l'a tué en direct et tout. C'était ouf! Alors, bah, c'est quoi ça? C'est Theft. On va voir ce que ça me dit pour Theft. Et Theft about NNH? Non. Ok, quoi? Ah, il se passe trop de trucs. Customer? Non. Ah non! Non, j'ai loupé les mots. Oh zut, vas-y, dis d'autres mots. Beer. Vas-y, dis d'autres mots d'alcool, s'il te plaît. Redis tequila, machin, truc, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Et en fait, c'est ça, c'est lui qui a été tué. Ce que j'ai appelé, il l'a flippé. Il dit, ah, c'est toi qui me vole, tu vas mourir. Et le mec, explosé, il y avait du sang de partout. Moi, j'étais genre en mode choqué et tout. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse... Est-ce que vous avez des seringues hypodermiques? Faudrait que j'a... Oh. Voilà. Liquor Store. Et j'avais fait NNH Liquor Store. Et j'avais trouvé ça. Et du coup, bah, j'appellerai la prochaine... Oh, vous vous rendez compte? Oh, Nighthawk. Tellement de trucs à faire. Tellement de trucs hyper efficaces, là. Trop bien. Donc, j'avais dit que j'allais bosser 4 heures. Que j'allais faire des courses. Et que ça serait la fin de la journée. Et voilà, hein, je pense que j'ai été... Ah, mais il est déjà jour. Ok, il est déjà jour. Il est... Ah ouais, non, j'ai juste le temps de faire des courses. Vite, tant que c'est en promo. Vite, tant que c'est en promo. Vite!
Ok, parfait. Et comme ça, je dormirai la prochaine fois qu'on se verra ensemble. Voilà, là, c'est la fin de la journée. Je change de niveau, peut-être. Non, pas encore. Oui, c'est ça, je change de niveau dans 2 jours. Et la Landlady revient aujourd'hui. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Oh, regardez! Il a été sauvé d'un ascenseur. Après beaucoup de jours stressants de recherche, la police a retrouvé Jason Miles, le concierge perdu, le propriétaire du building, a été arrêté pour négligence. Vous vous rendez compte? Ok, donc là, j'ai eu juste. Parfait. Et c'est la journée suivante. Bon, ben voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je pense que... Oh, la caméra qui ne s'arrête. Ah! Vous vous rappelez là? Pareil, j'ai causé des morts parce que j'ai pas mis la bonne heure au moment où ça devenait rouge en fait. Donc pareil, il y a encore plein de trucs à faire. Bah, je suis super content et j'étais super efficace. Là, vous voyez, en 4 jours, j'ai fait plus que la dernière fois en une semaine. Voilà. Et bah, si cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vous. Ouh là là, il me fait flipper. À la liker. Ah bon? Ah bon? Bon, bah, à la liker avec vos amis, qu'ils soient adeptes ou pas de ce genre de choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez trouvé. Comment vous avez trouvé cette nouvelle partie. Et puis... Ah, j'ai vu un truc, regardez passer. Un truc là. Il y avait le mot désert ici. Voilà. Mais de toute façon, je devrais le faire la prochaine fois. Ah bah voilà. Bon, je le ferai la prochaine fois parce que là, de toute façon, quand on quitte le jeu, ça revient au début du jour. Et puis, bah, je suppose que... Bah que ouais, que ça vous plaît autant. Et si... Plus tard! Bon allez, je file! Peace out!